Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je viens encore une fois auprès de vous partager un songe que j'ai reçu le 25 novembre dans les après-midi. Et je prie que le Seigneur vous fortifie tous et que nous nous initions tous dans la prière dans ces moments difficiles que nous traversons, dans tous les moments difficile que traverse chacun de nous et tout le monde entier et surtout le corps de Christ. Prions que le Seigneur nous fortifie et qu'il donne la force à tous ses enfants de continuer à mener à bien cette course que nous avons jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Donc voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le 25 novembre, dans les après-midi, je me suis dit que je vais m'allonger un peu pour me reposer et quand je me suis allongée, j'ai eu ce songe. Donc dans le songe, j'étais dans ma maison avec mon fils et à un certain moment, nous sommes sortis au balcon. Et au fait, c'était en début de soirée, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, le ciel était sombre, mais pas très, très, très sombre encore, mais on voyait. Et j'ai regardé le ciel et j'ai vu un énorme dragon. Un énorme dragon tout noir. Et il était tout près du ciel. Il volait vraiment très, très, très bas. Et quand je l'ai vu, j'ai pris peur, j'ai dit à mon fils, mon petit garçon qui n'arrêtait pas de parler, il parlait, et je lui disais, viens, on doit rentrer dans la maison, et je regardais le ciel, et quand je regardais encore le ciel, j'ai vu que ce dragon, au fait, de mon balcon, à côté de moi, il y avait un immeuble, pas très très élevé, mais c'était quand même plus élevé que l'immeuble dans lequel j'habitais dans le songe, quoi. Et donc, quand j'ai regardé de nouveau le ciel, le dragon, je me suis rendu compte qu'il s'était, au fait, posé dans l'immeuble en face. Parce que je voyais son museau très, très, très près. Donc, il s'est posé là. Oh mon Dieu. Et alors, j'ai pris mon fils. Nous sommes rentrés vite dans la maison. On a barricadé. Il y avait comme des volets, hein. En Afrique, vous savez, pour des anti, comment on appelle, excusez-moi, mes frères et sœurs, anti, pour éviter les vols, voilà, des barres de fer qu'on met dans les portes et dans les fenêtres. Donc, il y avait ça, et donc j'ai même fermé ces barres de fer-là. On était dans la maison et le rêve s'est arrêté. Donc, le Seigneur ne m'a pas donné l'interprétation jusque-là sur la signification de ce songe, mais nous savons très bien que le dragon, c'est le diable, et que nous savons que les temps que nous vivons sont des temps très, très, très mauvais, et la situation n'ira pas mieux, ça sera de pire en pire. Ce que nous, enfants de Dieu, ce que nous, chrétiens, nous devons faire, c'est de nous lever dans la prière, sortir de notre distraction et nous lever dans la prière, car les temps sont mauvais et les temps sont courts aussi. Prêchons la parole de Dieu, intercédons pour nos frères et sœurs, pour toutes nos connaissances, parlons du Seigneur, sauvons le plus d'âmes possible, car le Seigneur revient bientôt. Donc voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur, le message que j'avais à partager, et je prie que le Seigneur touche les cœurs, continue à toucher les cœurs de ses enfants, toucher les cœurs de tous ceux qui sont encore dans le monde, qu'ils puissent tous retourner au Seigneur et que nous puissions tous nous préparer à son avènement. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et vous protège tous jusqu'à la prochaine fois, si Dieu le veut. Shalom.